Approchez, 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 approchez. Voilà, un équilibre parfait, vous dormez. Un équilibre parfait. Et maintenant, vous, vous êtes traductrice du martien. Vous comprenez tout ce qu'elle dit, vous allez me le traduire. Lorsque vous allez ouvrir les yeux, ce sera ça. Ouvrez les yeux. Alors, nous sommes en compagnie d'un habitant de Mars. Comment allez-vous? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit ça va. Quel âge avez-vous? 74. Que venez-vous faire sur la Terre? Elle a parlé un peu trop vite. Répétez. Elle est venue visiter et nous dire bonjour. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Il nous observe et pour mieux nous envahir. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ou c'est juste une seule personne? Enfin, je ne sais pas. Il n'y a que des femmes. Et comment vous faites les enfants? C'est de la chimie, de la reproduction d'ADN. D'accord. En fait, ils sont tous frères et sœurs. Ils sont tous sœurs, en fait. D'accord. Ils sont tous sœurs, ils sont tous consanguins. C'est super. Je ne veux pas y aller, moi, là-haut. Et vous êtes venu comment? Elle est tombée avec un astéroïde. Je sais plus où je suis. Bon, et vous allez rester longtemps ici? Elle a dit oui. D'accord. Mais vous avez bien un objectif. Quelque chose à part. Ils veulent tous nous bouffer. Ils veulent vous bouffer, quoi. D'accord. Ça va qu'elle est toute seule, hein. Mais vous êtes nombreux là-haut. Ils sont pas mal, ouais, une centaine. C'est pas beaucoup. Ah, dans sa ville, après, je sais pas. Il y a plusieurs villes. Ah, il y a des centaines de villes, alors. Des centaines de villes, voire des centaines. Ah oui, ça fait... Yeah, ouais. Et vous avez des voitures, là, ou vous avez quoi? Non, ils ont des petites fusées. D'accord. Et est-ce que là-haut, on fume de l'herbe? Non, ils fument pas d'herbe, mais ils fabriquent des trucs bizarres. Vous avez de la drogue là? Elle dit non, mais je pense que c'est le mytho. Hein. On les applaudit très fort. Vous pouvez vous rasseoir.